Il était un cadre professionnel socio-environnementaliste et développement durable avec une expérience de plus de 15 ans dans l'exécution de projets environnementaux et sociaux. La conservation de la nature, la conservation de la biodiversité et aménagement des parcs nationaux avec une implication dans les domaines de la gestion de ressources naturelles, notamment les aires protégées, parcs nationaux et réserves. Les réserves gérées par l'ICC, notamment le parc national de Virunga, Kauzibiga, Maiko, Garamba, Lomami et réserves naturelles d'Itombwe. C'était un expert botaniste, forestier et paysagiste avec une licence en sciences biologiques, spécialement en gestion de ressources végétales, obtenue à l'université de Kisangani. Il a travaillé dans une institution de recherche scientifique et pour plusieurs organisations, vraiment pour plusieurs organisations internationales de la conservation, dont le Fonds mondial pour la nature, le WWF, WWS, ZCL, Société zoologique de Francfort. Depuis 2008, il a travaillé beaucoup sur les questions de gestion de ressources naturelles et de relations des aires protégées dans le parc national et les communautés locales. Je peux ajouter qu'il a conduit plusieurs missions d'exploitation dans les zones difficiles d'accès, et notamment le parc national de Virunga dans le secteur nord, à Tchabirimu, et dans la forêt des Batalinga, dans les massifs de Rwenzori et des volcans du secteur des Mikono, donc le nord Kivu, hein. Dans le parc national de la Maiko, secteur sud, province du Maniema, dans le parc de la Garamba, dans les Baoulé. Il est consultant, il a été consultant dans plusieurs ONG internationales de conservation de la biodiversité, et notamment le programme international de la conservation de gorilles, le PCG.